autant que possible de les envoyer, puis aussi d'élargir les choses, puisque je sais qu'il y a aussi des familles qui veulent envoyer les enfants, puis ce n'est pas toujours facile. Donc on fait tout ce travail entre les maires et l'éducation nationale, et ici là, pour les collèges avec les conseils départementaux, pour que ça se produise. Il y a 30% seulement des enfants ici dans ce collège qui ont demandé à rentrer. Ça veut dire qu'il y a encore une méfiance. Alors comment faire pour rassurer ? Les meilleurs ambassadeurs de l'école, c'est les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire les premiers, vous avez vu ce que nous avons vu, c'est-à-dire des élèves heureux d'être là, heureux d'être à la cantine aussi. Ils vont en parler à leurs amis, ça va convaincre. Certaines familles vont voir que d'autres familles n'ont pas peur, que le protocole sanitaire est très strictement respecté, et qu'il est bien meilleur pour la santé des enfants, même leur santé au sens large, mentale, physique, aussi leur éducation, tout simplement, de retrouver le collège. Monsieur le ministre, l'objectif qui était de permettre aux décrocheurs de revenir à l'école, on voit que sur le terrain, c'est quand même assez compliqué. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous ont dit les enseignants tout à l'heure ? C'est évidemment le principal sujet, c'est-à-dire comment nous réussissons à ramener les enfants qui finalement en ont le plus besoin, ceux souvent des catégories sociales les plus défavorisées ou ceux qui ont de toute façon un rapport difficile à l'école. Donc c'est tout notre travail. Je ne dis pas que nous l'avons accompli parfaitement en une semaine, ce serait impensable de toute façon. Et donc nous avons à téléphoner aux familles. Nous avons, et je le dis à tous les Français qui nous écoutent, chacun peut se sentir responsable de ça en parlant aux familles que l'on connaît, en convainquant et en rappelant à quel point l'école, c'est fondamental. C'est aussi le message que j'ai souhaité délivrer depuis le début du confinement, c'est-à-dire que l'école n'est pas quelque chose de subsidiaire, l'école n'est pas quelque chose de secondaire. C'est pas... Bien sûr, le virus nous a obligés au confinement. Bien sûr, on a toujours des questions et des inquiétudes. Mais néanmoins, on ne doit pas mettre l'école de côté dans une période un peu hors du commun comme l'époque actuelle, parce que les dégâts seraient terribles si on avait une génération d'élèves qui privaient d'école pendant de longs mois. Donc je crois que souvent les familles ont compris ça, c'est souvent les familles qui sont justement le plus proche de l'école. Donc il faut que celles qui sont moins proches de l'école soient convaincues par ceux qui ont compris l'enjeu. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez qu'il est réaliste qu'un collégien de 6e parvienne à conserver son masque toute la journée sur lui, en respectant les protocoles adéquats, sans le toucher? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est réaliste selon vous? Oui, on a beaucoup réfléchi à ça, on a comparé aussi avec d'autres pays, on a beaucoup consulté les médecins et les autorités scientifiques sur ce point. C'est pour ça qu'on a pris la décision de ne pas avoir le masque pour les enfants à l'école primaire, seulement pour les adultes, mais par contre de l'avoir à l'âge du collège, parce qu'on considère que à partir de 10-11 ans, les enfants comprennent bien l'enjeu. Là, vous voyez bien, les enfants le gardent et l'enlèvent évidemment pour la cantine. Donc je pense qu'il y a finalement un enjeu de civisme aussi. Les élèves comprennent le sujet de la distanciation, le sujet du port du masque. Et finalement, à certains égards, ils montrent parfois le chemin, y compris pour le monde adulte, parce qu'ils sont très, très en compréhension de ces enjeux. Ce qui est compliqué, c'est que cette reprise, elle se fait alors que l'épidémie n'est pas passée. Donc effectivement, ça implique des pas, mais ça implique aussi des cas. Est-ce que vous pouvez faire le point sur le nombre d'écoles fermées à cause de cas de Covid? Est-ce que ça concernait des adultes? Est-ce que ça concernait des enfants? Est-ce que vous pouvez refaire le point là-dessus? Oui, alors nous sommes évidemment extrêmement attentifs à ça. Il y a un protocole sanitaire strict. Parfois, certains l'ont trouvé trop strict, mais c'était indispensable d'être très rigoureux. Parmi les éléments rigoureux, il y a aussi le fait de savoir fermer une école quand il y a quelque chose qui justifie de le faire. Donc c'est ce qui s'est passé comme prévu, comme nous l'avions dit. C'est normal, ça fait partie du caractère strict de ce qui se passe. Il y a plus de 40 000 écoles qui ont ouvert en France sur 50 000. Et il y en a 70 qui ont fermé depuis la semaine dernière. C'est donc un pourcentage très faible. Et il faut savoir que c'est dans une même ville. Souvent, par exemple, si vous prenez la ville de Sens, 25 des 70 dont je vous parle sont dans la même ville parce qu'il y a eu un cas de Covid dans cette ville. Donc il y a, si vous voulez, la nécessité d'être strict, rigoureux. Et donc le fait qu'on soit parfois amené à fermer une école ne doit pas inquiéter. Ça fait partie au contraire du fait que dès qu'on a une suspicion, ben on est attentif à ce que ça ferme et puis qu'éventuellement ça réouvre une fois que les choses sont claires. Est-ce que ce n'est pas beaucoup d'écoles, 24 écoles fermées pour un cas d'adulte? Qui doit décider de la fermeture? Vous savez, parfois on peut nous trouver trop prudents, mais parfois on nous dit qu'on ne l'est pas assez. Donc si vous voulez, c'est une ligne d'équilibre. On est très, très attentif à ce qui est vraiment moins de risques possible. Et donc
Cette ligne, elle peut toujours être jugée trop prudente ou pas assez.